Puis on va pouvoir commencer. Du coup, je dis bonjour à cette rediff. Bienvenue. Quand on a commencé la nouvelle quête d'aller chercher Louis, on a débloqué cette zone. Et je vous avais dit, j'aimerais d'abord terminer celle-ci. Sauf que il y a un trésor en particulier que j'aimerais récupérer ici avant de retourner à l'autre zone. Donc on va récupérer un trésor en surface ici et on s'en va. Pour ceux qui connaissent Pikmin 1, la zone qui est là, c'est un mix de la première zone et de la dernière zone de Pikmin 1. Mais voilà, si vous connaissez pas, bah c'est pas grave. Alors, voici la zone. Voici la zone. On a déjà quelques ennemis ici. Voilà, donc ceux qui connaissent pas Pikmin 2, vous voyez, j'ai mon capitaine, j'ai mon armée et je tue des gens. Et je dois récupérer des trésors. Et le trésor en question, c'est celui-ci. Il est à côté du vaisseau, donc il n'y a pas de problème. Sauf que regardez, il pèse... Enfin, il faut 1000 Pikmin pour le porter. Avec un Pikmin violet, on peut porter 10. Donc, il nous faut 100 Pikmin violets. Ce que j'ai récupéré, et c'est pour ça que je veux le faire maintenant. Parce que je suis sûr que je vais en perdre. Je vais les tuer, ces pauvres Pikmin violets. On va se mettre là. Alors par contre, si je me souviens bien, c'est très long à porter, ce machin chose là. Ok, c'est parti. Et regardez la lenteur. La lenteur. Je ne peux pas aller plus vite là. Voilà, 3000 Pokos pour ce truc. L'alter obscur. Ça nous aurait bien aidé à rembourser la dette si on avait eu le choix de l'avoir dès le début, mais bon. Allez, on atterrit. Mais alors cette zone là, je me souviens de deux grottes. Donc la grotte du rouleau compresseur et la grotte de la brioche, si j'ose dire. La grotte s'appelle la grande cuisine. Et il y a un ennemi brioche. Je pense savoir où est la grotte du rouleau et c'est pas forcément là où je veux aller en premier. Moi, je veux aller là-bas. Et je crois que c'est la piscine là-bas. On va peut-être d'abord nettoyer cette espèce de serpillière qui est là. Il faut taper dans le gland de la queue. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est un peu le cas. C'est bon. Et je crois qu'il avait un trésor, ce machin. Oui, il a un trésor. Tenez, dépliez ce pont. Parce que là, on va devoir déplier ça pour ouvrir cette barrière et aller dans la grotte qui est là-bas, dans la piscine. Alors, pour passer. Parce que là-bas, si je balance mes Pikmin bleus là-dessus, ça va faire une grosse grillade. Restez avec moi, vous, et on y va. Pas de bêtises, les Pikmin jaunes. Pas de bêtises, vous ne tombez pas dans l'eau. Vous allez simplement en direction du capitaine. Allez-vous, au boulot, là. Voilà. Genre là-bas, il doit bien y avoir un autre trésor, non? Bonjour. Pour l'instant, il n'y a pas de mort. Il n'y a aucun mort pour l'instant. On est toujours à 100 Pikmin. Grosse joie. Mon radar sonne très très fort par ici. En fait, je crois que si on va là-bas, on enlève le niveau de l'eau. Vous avez fini, les gars, c'est très bien. Je vois une grosse pierre dans un réservoir d'eau. Voilà, c'est bon. L'eau descend. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a de tout, les salles aqua. Il y a la salle Terra, la salle Ventus, bref. On s'amuse bien. On va laisser les petits têtards mourir d'asphyxie, hein, parce qu'on adore ça. Et on va laisser faire une équipe complète de 20-20-20, comme d'habitude. Alors, faut déterrer, les gars. Hein. Et on fait attention à la tortue grenouille, d'accord? Ah, ça y est, ils ont trouvé! Ils ont trouvé un bon gros bulbe. C'est pas un bulbe, c'est un coquillage. Je crois que j'ai fait la même bêtise que dans le let's play, encore une fois. J'arrête pas de répéter la même chose que dans le let's play. Que ça fleurisse, oui. D'accord. Descendons dans la salle à quoi? Oui, le bruit du klaxon, c'est le sifflet du président. Il y a des têtards qui tombent du plafond. Oh! Il y a des pierres aussi! Quoi? Qu'est-ce qui... Je ne sais plus quoi vous dire. Qu'est-ce que ce Pikmin rouge vient de foncer dans l'électricité là? Mais on est d'accord que le gars, il était suicidaire, on est d'accord! Quoi? Et nous avons une poêle! Avec peut-être des rochers. Comment ça c'est cheat avec les Pikmin violets? Je les avais déjà la dernière fois et pourtant il y avait autant de morts. Hein. Il n'y a plus de trésor dans cet étage. Je vais peut-être d'abord boire un peu de nectar. Oh, oh, des méduses! Est-ce qu'on n'irait pas d'abord couper le poison pour être tranquille? Oh, il y a encore des cailloux. Oh, oh.
va bien. Il y en a un qui va se faire aspirer là. Ok, c'est bon. Comment ça marchait ça? Comment on tuait cette bestiole? Ok, il suffit de, suffit d'y aller quoi. Allez-y, 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 allez-y. Les pierres, elles réagissent aux Pikmin. Ou les ennemis aussi, hein. Les ennemis qui tombent du ciel aussi, on adore ça. Go l'attaquer, lui! Voilà. Générateur de mousse. Ouh, il y a une énorme méduse. Non, je pense que la grosse méduse, on peut l'attaquer depuis le couloir, justement. Bonjour, madame. Putain, l'autre, elle est venue, là. Je suis pas sûr que ça les tue, mais je crois que ça enlève les fleurs. Je suis sorti, je suis sorti, je suis sorti. À l'attaque de la deuxième, à l'attaque de la deuxième. L'autre va mourir. Oh, une moule! Ah non, c'est pas une boule du tout. C'est du maquillage! Mais en fait, il y a un coquillage là-bas. Alors, ça aurait très bien pu être dans le thème. Tu n'es pas dans le thème. La moule miroitante. Oh, avouez que vous avez cru que c'était une moule pendant une seconde. Je vous ai dit, ah oui, c'est une... Mais non, c'est du maquillage. Une microseconde, voilà. On attrape le lapsus. Ah, je sais pas si c'est un lapsus, là. C'est juste que j'ai cru que c'était une moule. Il y avait rien d'inconscient là-dedans. J'ai vu une moule. Waouh, le super trésor. Mais c'est pas vrai, mais quelle bande de... Et voilà. Et c'est du Pikmin violet, mais bien sûr, mais... Plateau coupant. La moule est dans le pré. Putain. Alors ici, vous avez le couloir. Ça a l'air calme, mais c'est peut-être pas un truc où il faut s'y fier. En tout cas, ça a l'air sombre aussi. À chaque fois qu'un Pikmin meurt, tu dois prendre un verre d'alcool. Le jeu à boire du ténèbre, quoi. Ah, il y a encore une plante, là. Là, je sais que ça, c'est pas mal pour se faire plein de trucs. On a tué... tous les magnifiques papillons. Je suis pas sûr qu'il y ait des ennemis dans la zone. Oh, ça c'est une... La feuille trésor. Est-ce que vous pensez qu'il y a qu'un seul trésor et que ce serait ce... cette feuille morte décédée? Oh, ça vaut très cher, les feuilles mortes. Bon, du coup, j'ai de nouveau 100 Pikmin. J'aurais peut-être dû prendre le temps de les mettre dans la gelée. Alors là, c'est dangereux, hein. Courez, 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 courez. Non, c'est bon. Non, courez quand même, courez quand même. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Revenez, revenez, revenez. Enlevez le truc de feu qui est là, vous êtes prêts? Go, 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 go. Voilà. Oh, toutes ces fleurs qui s'en vont. Toutes ces fleurs. Ah. Allez, meurs. Il y en a un qui est dans l'eau, il y en a un qui est dans l'eau. Tout à l'heure. Et un type s'orange. Draw. Alors, je sais pas prononcer. Drawwolf. 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 Drawwolf, ça fait un peu Drawus. Drawus. Ah, j'espère que ça se prononçait pas Drawolf, parce que je suis désolé. J'ai un humour de merde, voilà. Désolé, je déteste justement déformer les pseudos et les prénoms. Donc, et quand je le fais, bah, j'ai un peu honte de moi. Je sais pas ce que c'est. C'est pas des sardines, ça, si? Si, peut-être. Conteneur infini. C'est un peu long. Tiens, vous êtes gentil, vous venez. Vous ne tombez pas dans l'eau. Il y en a qui sont pas venus, mais c'est pas grave. Ah, le feu, le feu, le feu! Ok, là, il y a du feu, mais ça sert à rien. Par contre, là-dedans, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok. C'est un presse-agrumes! Tu as marqué en retaf. Non, j'ai pas marqué en retaf. C'est juste que c'est coupé. Ah oui, il y a eu quelques Pikmin morts, mais je trouve qu'on n'est pas encore dans la... dans la destruction. Pour l'instant, ça va. L'extracteur cruel. Et il n'y a plus de trésor ici. Je vais pouvoir descendre. Et on va pouvoir s'arrêter pour cette partie, d'accord? On se retrouve dans 3 minutes. Allez faire un petit pipi. On coupe la rediff. Hein, on coupe... voilà. Petit bisou.